Eh bien bonjour à tous les amis, je suis Pupup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Subnautica Bio Zero. Lors du dernier épisode, nous avons construit la chambre d'immersion. Ici, et du coup, bah, on a l'aquatracteur qui est en train de se recharger. C'est un petit peu juste au niveau énergie parce qu'on a qu'un panneau solaire au-dessus, mais c'est parce qu'il est en train de recharger et qu'on l'a mis directement. Mais voilà. Aujourd'hui, du coup, on va fabriquer la station d'amélioration. Elle. Que l'on va caler ici. Très bien. Ouais. Pas te mettre à l'endroit. Bon, voilà. A priori, c'est sa place. Du coup, il va falloir titane, circuit intégré. Je sais pas si j'ai encore de l'or. Peut-être falloir que j'aille rechercher de l'or. Fil de cuivre, je vais avoir par contre. Vas-y, tu peux pas l'épingler d'ici. Oui, et c'est ça, les circuits intégrés. Il va me falloir du coup de l'or. Je crois pas qu'il m'en reste dans ma pièce. La dernière fois, on a également fait la station de modif, du coup, que j'ai essayé de faire depuis un moment, mais en fait, je me suis trompé dans mon jeu. Il fallait. Je pensais faire que c'est-à-dire qu'on faisait des améliorations, mais non, c'est pas du tout là. Donc, ça, c'était une erreur. Ah, j'ai pas remis la vitre là, tiens d'ailleurs. Ouais, mais du coup, voilà, on a la vision sur la salle. Est-ce qu'il me reste de l'or ici? Peut-être pas, hein. Non, il me reste pas, malheureusement. Ok, il va falloir que j'aille rechercher. De l'or et du corail. Ok, bon, on va prendre l'aquatracteur, du coup, comme ça va permettre aux batteries de se recharger. Voilà, donc c'est très bien parce que ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de faire 36 millions de batteries. La station de modification nous a permis quand même d'affaire la lame thermique qui pourra nous être utile. Diamant la dernière fois et ça j'étais super content parce que ça a quand même débloqué ce que je savais pas faire jusque-là. Voilà, aujourd'hui ça va être d'avoir un MK1 de profondeur. Histoire comme ça de pouvoir commencer à aller rechercher un petit peu plus profondément les choses qu'on doit trouver, notamment les artefacts.
Yes, très bien. Hop. Allez, j'ai ce qu'il faut. Donc on va pas trop s'attarder pour l'instant. On reviendra si besoin. Il va falloir que je trouve quand même aussi c'est du corail. Mais ça, je crois que j'en ai pas loin de ma base, donc c'est pas trop trop grave. Je regarde. Si je vois de l'or encore, je le prendrai au passage. Évidemment. Ça ne serait pas perdu. Genre lui. Bon, c'est un titane. Pas de chance. Encore là. Avec potentiellement de l'argent à côté. Titane. Et titane, on va décidément. Elle a dû se recharger un peu. Voilà, elle est à pleine puissance, donc elle va pouvoir recharger tranquillement l'aquatracteur. Et des pochons si on en croise aussi, genre là-haut. Hop, bon, je fais 3-4. Bonjour, vous avez des choses? Non, rien pour moi, dommage. Tableau de corail, depuis je galère pas. Échappé. C'est pas grave, j'en ai besoin d'un pour de la bouffe aussi. Voilà, hop, ok. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Okay. Ah, en voilà un. Il va falloir deux, mais ok. Il y en a un deuxième là, très bien.
Welcome aboard, Captain. Tac, non, c'était dans la boisson. J'ai besoin de manger également. Et ça, mais j'ai pas pris le. Ok, bon là c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. On va pouvoir aller faire la station d'amélioration. Ok, alors amélioration. Ah oui, ça c'est pour changer la couleur. Je m'en fiche, ça. Oui, à quoi tracteur? Non, d'accord, c'est pas là les améliorations. Ah, c'est là. Même qu'un, il faut du plastacier. Ça, je vais. Ok, on va se mettre ça du coup. Ok. Alors, place acier, il me semble que c'est un lingot de titane avec du lithium. Si je ne me trompe pas, j'en ai un de lithium, donc ça c'est bon. Et du verre émaillé, par contre, ça va être du verre avec un autre truc, mais je sais plus quoi. Ah, il fallait deux de lithium, mince. Ok, donc il va falloir que j'aille rechercher du lithium. Où est-ce que j'ai trouvé le lithium par contre? Je sais plus. Du verre émaillé. Ah, il me fallait un diamant. J'ai bien fait de prendre un diamant, donc un verre. Ça coûte cher en fait. Bon. On va aller chercher du lithium. Je crois que c'était pas loin de là où on a chopé l'or. Zut. On va retourner là-bas. Je me rappelais pas que c'était si cher que ça le verre émaillé. On n'aura pas trop galéré. Voilà. Tout le reste, du coup, ça je peux le faire du côté de la base. Donc c'est pas trop un problème. Je regarde. Ah bah, il y a du quartz là. Donc on est là, on va le prendre. On est là. Hop là. Dommage, j'espère qu'il soit du plomb à l'intérieur. Ok, c'est bon, j'ai un plomb. Il va juste me falloir un quartz encore et j'ai tout ce qu'il faut pour ça.
priorité. Mais voilà, comme ça, la contracteur va pouvoir aller plus profondément et on pourra donc du coup aller explorer également plus profondément. Du coup. Ça, c'est assez cool. Et un. Ah non, c'était deux verres émaillés qu'il me fallait. Ah, c'est deux verres émaillés. Ah zut, il va falloir que j'aille rechercher un diamant. Ah, mais regarde un peu plus tes plans, sans déconner. Pardon, c'est contre moi. Bon, il va falloir aller rechercher un diamant. Super. Tac. Alors, il me faut du coup un plomb, deux de quartz. Et surtout un diamant. La plus près c'était par là, je crois. Warning, passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ouais, c'est le contracteur. Hop, c'est pas grave, ça fait du titane. On en aura besoin quand on fera la base. Ah, il y a un autre PDR en plus. Fred, great to see you. Come on in. You don't mind if I record this, do you? Am I in trouble? No. You know me. Just a fanatic for details. And my memory's not what it used to be. I know what that's like. Yes. Is that why you've been running so many personal errands for your colleagues? We asked you to limit them. So I am in trouble. That's not how I want you to look at it. Here's what I see. You're a team player. You want to get the job done. Well, I think I have a pretty good record there. You want people to like you. Has anyone complained? Fred, the trouble is, not everyone is as reliable as you are. Sometimes people need help being where they need to be and concentrating on their work. All the trips were work-related. It appears you transported tech for Lil, rather far out from her base. Lil needed to go deep, and she needed a sea truck. Her work is currently on surface installations. She shouldn't be anywhere near the water. No more favors to friends, agreed? Yes, sir. I keep telling you. Call me Manu. D'accord, ok. Et on a le journal de la contracteur. The damn ugly thing followed me into the shallows. I didn't think something that big would follow me up here. Had it jettison the sea truck. Again. I guess I could try to go back for the parts when it leaves. If it leaves. I really don't want to sit in another meeting with Emmanuel, Manu, as he likes to be called. Ugh, I just want to drive around and deliver cargo in peace. Allez, on va reprendre.
Warning, passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Pas sûr que si a priori on doit être à peu près dans le même biome. Ok, alors il me faut un diamant. Here. Ok, les trucs à scanner, je prends aussi. Ah zut, ça je l'avais déjà. Il faut de l'oxygène là par contre. Purée, ça me fait peur à chaque fois ce truc-là. C'est super flash. Mais là, là. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ah purée. Alors on va remonter et redescendre. Oxygen. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Oxygen. Vite, de l'oxygène. Je vais mourir. Ah, cette fois-ci, je vais mourir. Il était là, l'oxygène. Ah, mince. Première mort sur Submusica Bio 0. C'est un peu juste là, mais il faut que vous êtes mort, vous avez perdu quelques objets. Ça va. Où est-ce que je suis? Dans le contracteur, d'accord. Bon. Allez, bah tentative 1, c'est mort. Alors, on a dû perdre le, sans doute le titane qui était. Warning, passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Après, autre chose à faire là. Hier, il y a des gros trucs. Allez, il me faut un diamant là. Là, un diamant, ok. Purée, d'accord, j'ai vu ce que c'était qui m'attaque. Ah non, ça essaie de m'attirer en fait, c'est ça? Et le diamant là, je vais le prendre. Ok, allez, on remonte nous. Bon, malheureusement, j'ai pas trouvé de nouveau module à scanner. Tiens, il y a un autre diamant là et de l'oxygène. Bon, si c'est cool, c'est qu'on aura trouvé pas mal de diamants. On va être tranquille pour un petit moment et on va donc pouvoir faire le module de profondeur. Cette fois-ci sur. Pour l'aquatracteur. Allez. Après il manque encore du plomb. Et je sais plus si j'ai en quartz. J'ai un quartz, il faut encore un autre quartz.
quartz et du plomb, je vais pouvoir en trouver par ici directement. Welcome aboard, Captain. Un truc de plomb. Voilà, très bien. Tac, et du coup on va pouvoir faire l'amélioration. Coucou toi. Allez. Oxygen. Vous voyez, nickel. On va laisser les deux diamants ici, avec le quartz, et à côté le titane. Ok, et du coup on va pouvoir faire l'amélioration pour l'aquatracteur. Paf. Alors, l'accès aux améliorations, c'est par où? mètres, très bien, on double la profondeur pour l'aquatracteur. Donc bah écoutez, tout ça c'est nickel. Bien, bah écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que ça... Attendez, on va juste regarder un truc. Est-ce que je peux faire facilement... Welcome aboard, Captain. Deux rubis, un verre émaillé et de la fibre synthétique. Des rubis, j'en ai trouvé, des rubis, non? Ah, j'en ai trouvé qu'un. D'accord, bon, bah je peux pas pour l'instant. La fibre synthétique, comment je fabrique ça? Moi, j'ai un PDR en plus aussi encore à écouter. Cheese on a cracker. Saw me. Managed to eject the cargo modules and hide. Sitting here with the lights off, sweating through my shirt. I'm not gonna get pooped out of the back end of a sea monster to save Altera some money. Manuel, not going to be happy. Not one bit. Ouais, il va pas être content. Fibre synthétique, il me faut du... Hein? La
spiralière coupée, je sais pas ce que c'est. Ok. Bon, bah très bien. On va quand même pouvoir avancer du coup. Maintenant qu'il va pouvoir aller à 300 mètres, on va pouvoir aller explorer un petit peu les alentours. Et puis voilà. J'espère que cet épisode du coup sur Subnautica Below Zero vous aura plu. On se retrouve prochainement pour la suite de l'aventure où on ira explorer un petit peu plus les profondeurs. Essayer de trouver des artefacts peut-être. J'aimerais bien voir un peu ce que c'est. On en a deux, je crois, qui sont disponibles. Donc on va peut-être essayer d'aller les chercher. Et puis bah, après ça, il va falloir qu'on commence à réfléchir à quel endroit on veut mettre notre base. Maintenant qu'on aura exploré un petit peu. Donc bah, n'hésitez pas aussi à me suggérer des lieux sur lesquels vous souhaitez qu'on construise la base. Et puis bah, on verra un petit peu ce que ça donnera. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée en tout cas, et on se retrouve prochainement pour la suite de Subnautica Below Zero. Salut tout le monde!